Trècheville, avenue 16. Un concert gratuit, histoire de consoler et réjouir les Trècheville-lois n'ayant pas pu se rendre au village pour Pâquinou. Le concert Trècheangeois, placé sous le signe de la cohésion sociale, a vu plusieurs artistes se succéder. Un seul idéal a prévalu, fraternité et solidarité pour Trècheville. Trècheville, c'est la commune dite Sassa. Et à Trècheville, nous rassemblons tout le monde, toutes les nations, toutes les communautés. Et c'est pourquoi cette année, pour la deuxième édition, on a placé notre manifestation sous le signe de la cohésion sociale. Vous savez que la culture rapproche, le sport rapproche. Et en tant que programme national de cohésion sociale, ce sont les activités que nous devons soutenir pour amener les Ivoiriens à se parler, à communiquer, à briser le mur de méfiance. Et Trècheville, la fondation J'adore Trècheville nous a donné cette occasion-là et nous en profitons. Les spectateurs n'ont pas boudé leur plaisir et ont exprimé leur reconnaissance aux initiateurs. Je n'ai pas pour habitude de voyager les jours de fête. Donc je préfère rester sur place et fêter en famille. Je suis là, je ne suis pas déçu, l'ambiance est bonne. On s'amuse bien, les artistes sont bien. Le maire de Trècheville a saisi l'occasion de ce rassemblement pour exhorter sa population à adopter des comportements pour renforcer la cohésion sociale et la réconciliation. Vous savez que dans d'autres régions, il y a le Pâquinou, mais à Trècheville, c'est le vivre ensemble. Et depuis hier, il y a eu des manifestations sportives. Aujourd'hui, le clou de la manifestation, c'est un concert offert à la population par l'ONG J'adore Trècheville. Nous sommes venus y participer. D'abord pour montrer aux populations qu'il y a des groupes, il y a des associations qui s'intéressent à elles et qui participent au développement communal. Et deuxièmement, pour resserrer les liens. Avec ce concert, l'ONG J'adore Trècheville n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà permis aux enfants démunis de la commune de faciliter leur entrée scolaire en leur offrant des kits scolaires.